Wapendwa katika Kristo, mbele ya yote tunawasalimu katika jina la Kristo Bwana wetu. Na katika mkanda huu ama video hii, natafuta kuwaonesha maonesho ya mkusanyiko wa kanisa Yesu Kristo ambao iliyofanyika hapa mjini Rockford, Illinois, hapa Marekani. Kusema mkutano huo ulikuwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2017. Na mkutano huo ulifanyika na waamini pamoja na Wakristo wakitoka masteti mbalimbali kwa ajili ya kumuinua Bwana Mungu wetu. Basi kwa hiyo mtatazama sinema hii ama video hii kwa kuwapa faraja kubwa katika Kristo ili maendeleo yetu izidi kuonekana katika roho pia katika mwili. Basi karibuni kwa mkanda huu.
ukiwa na unaitika kumbakia Mungu peke yako. Jehova mwenye enzi yuko mbele yako bila kusimama na kunyakua hii sadaka ya wanadamu. Niko naangalia hapa kutazama Jehova. Ingekuwa Abrahamu kwa wako wana kupita kusimama na uaminifu ulio ndani Bwana mtakatifu. Kama na kutazama hii mfano majeshi kizazi ndio cha kwanza cha pili cha tatu hadi cha nne ambao Jehova mfalme kwa nguvu zako kuna maajabu ingawa mfalme ulisimama lakini pepo ile pakaza kwa sababu ya mfalme wao alisimama na kwa nguvu kwa milimu kwa kwa Jehova mtakatifu aishi mbali mwako. Ilikuwa heri Jehova wa majeshi pata kusimama siku na mchana kwa jaza hekima na walifahamu usiwa kandilia na kumuza uwezo wa machamu wa mbingu ee Bwana majeshi kukuza na kumiji kere na kumasa mdeni ya choka Jehova mtakatifu. Kuna haja mfano majeshi na wabilisi mungini na mfano mkweli umbao wote wasimama katika jina zako na kufate neno lako. Mfano majeshi kwa kuhiru mgopa na simona kupiganisha umengeli kwa ero kwa shika kwa mkono wako wa majao na mkufu na kuwapa nguvu ili mfano majeshi wapati kumia katika nyumba yako tukufu na kujua siri ya hekima ya mbingu mfano mamlia umesema lote machacha kuacha waminifu uko na wadogo katika jina lako Kristo tunaomba amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunasonga kumbe baada ya umo moja tutapeleka sadaka nyingine. Nous avançons toujours. Après une chanson, nous allons donner encore une autre prière.
ndio nategemeo naitwa Mungu usiyeshindwa kitu. Mbete uba bwana majeshi niko mbele yako Mungu na mwenyezi kwa ajili ya kusimama Jehova mtakatifu bwana mwenye nguvu hata ifalme tatu mfalme chini ya mkono wako mkufu wa majabu. Basi bwana na Mungu wetu bwana majeshi niko naanza mfalme wa kwanza ni huyu Firaoni akili ya kibinadamu ambaye anafaa ya kusimama na kuinuka mfalme majeshi na kupiganisha hii kazi yako Jehova mtakatifu. Nikakumbuka toka awali bwana majeshi simama na kunyosha mkono wako ili kupiga huyu Firaoni akili mbovu kibinadamu katika bahari nyekundu ili mfalme kweli naona Israeli walivuka katika hali ya amani na salama. Umenajua mfalme mtakatifu utakuacha leo na kumbe usimame na kupiga hii Firaoni akili ya kibinadamu iliyo mbovu ambayo inamrudisha mtu kufanya mapenzi ya ule shetani mwovu. Jehova umeshe lakini mbovu usiona wapo akapinga katika hali ya amani na salama hii mfalme kuza na kuonea rehema ile hata milele. Basi mfalme wa damu sijachoka mfalme nikaangalia na kutazama wakati ule Firaoni kukoma kuna mfalme mwingine ambaye kusimama ni ufalme wa mfalme wa jeshi wa nzige na nge, yani walio walozi ndani na nje ya kanisa ambao wanasimama kuunga singa zao usiku kabla ya mchana eti wao wana majeshi ili kuangusha Israeli wana wao. Uko wapi Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka tena Mungu wa Yakobo? Ingani kwa Eru kasimama ukatia giza na lahana tele mahali wanapokusanyika ili kuharibisha kanisa. Mfalme hata wakitia vikwazo na balaa na matatizo, acha Israeli wana wako wasimame na kufanya kazi katika hali ya amani na salama. Mfalme kuza na kumini na kumati. Sijachoka Jehova mtakatifu, niko nasongea na ufalme mwingine Baba majeshi. Ni huu mfalme jeshi ambao viongozi wanaposimama kuongoza katika hali ya kuonekana hii ulimwengu. Jehova mfalme mwenye enzi, najua wao hawawezi lolote kama nguvu zako hazipo. Mimi nilikuwa heri Jehova mtakatifu, nasimama na kuzungumzia ndani mwao. Uzuri mwenye enzi mwenye mamlaka, ili ulimwengu ikaongoza katika hali ya amani na salama. Mfalme na majeshi, neno lako likahubiriwa mahali popote, yote yule ambaye atasikia apate kusikia na kuamini. Mfalme mtakatifu, unajua ulimi utakiri jina lako na goti litapigwa kwa ajili ya kuonyesha utukufu wako. Rahima milele na milele tutakumiana kukuza wewe Bwana majeshi. Umemumba na mtakatifu katika kujikata na vuembe ambapo utasikia maombi na dua yangu. Ni machache ya kuacha ufalme mkononi mwako. Wanalipiza kila mmoja kulingana na jina lako. Mfalme jeshi katika Jehova jina lako tunaomba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngalia hivi ufalme unakoma. Haleluya. Amen. Le royaume de Satan est mis par terre. Haleluya. Amen. Ume tunasonga mstari wa 5 wa kipindi cha 2. Nous avançons maintenant à la 5e étape. Na mstari mstari wa kupeleka wageni machoni pa Mungu. Haleluya. Après la 5e étape, c'est l'étape que nous allons mettre devant Dieu tous les visiteurs d'aujourd'hui. Haleluya. Amen. Kumbe bila kawia baada huko mmoja atasi mtu mwenkwa tayari atapeleka wageni machoni pa Mungu. Sans toutefois tarder, après une chanson, nous allons demander celui qui est prêt atapeleka kombe yani watu wale. Ya, te prier pour pour les visiteurs ou les invités. Dieu d'Abraham, Dieu sauve-moi. Yeah.
Ujue livi kwe heshima jina lako utakatifu mfalme na bwana wetu. Kimbilio la vizazi vyote, mwamba usimamoe mara usiovunjika kamwe. Mungu akuita na kuitika na heshima hii pa kuinuka juu sana. Wewe ambaye Mungu ulikuwepo, upo na utakuwepo milele usiku na mwanzo wala mwisho, Alfa na Omega, jina lako Jehova. Tazama mfalme na mwokozi wangu, msikabana hii Baba nimefanya kazi soko hicho cha ufalme. Nikija Bwana kufanya kazi ya kuleta kitunga cha sadaka hii ya wageni kimbilio na tegemeo langu. Na wasa neno lako linasema kwamba na kila nyumba ambayo ipokee wageni ni nyumba kulaaniwa. Nyumba hii si nyumba kulaaniwa kwa sababu umefanya Bwana kuleta wageni katika nyumba hii. Ndio kwa maana tunakusina kuomba msikabana hii mfano mwokozi wangu ufanye kazi Bwana kuweza kuangazia nyota huko alfajiri kimbilio na tegemeo, waweze kutambua ya kwamba mahali hapa ndipo mahali ambayo mwana anafanya kazi ya kuzaliwa mfalme na mwokozi wangu, ili isiweze kuwa kwao ya mwisho, ilikuwa ya kwanza lakini isiweze kwao ya mwisho kufika mahali hapa mfalme na mwokozi wangu. Basi kimbilio na tegemeo si kwa neno maneno mengi ya kuwasikia ni ama chacha kuinua wageni mikononi mwako, ili Bwana ufanye kazi kuangazia nyota yako alfajiri, ili mfalme na mwokozi waweze kudumu hapa na kutambua Bwana na kutembea pamoja nao na kutambua Bwana mahali hapa ndipo Bwana afanya kazi ya kuzaliwa, yaweze kuelewa kama dua bora ikipita katika siri ya maji ya Yesu Kristo kwa wao kuna uwezo na utukufu hata milele. Et qu'on puisse parcourir avec eux le parcours du chemin et arriver jusqu'à la fin, nous te glorifierons du jour au jour, notre Seigneur Dieu. Ce n'est pas en beaucoup parler que tu vas m'écouter, mais en consacrant cet holocauste des visiteurs, je le mets entre tes mains au nom du Christ, car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance, la gloire des siècles des siècles. Je prie ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons toujours après une chanson. Là, elle peut se mettre debout. Amina. Hey.
Nous savons, même ceux qui sont venus, ils ont utilisé les véhicules. Ils sont aussi voyageurs. Nous connaissons qu'il y a deux sortes de voyageurs. Et autre sorte de voyageurs, c'est nous qui écoutons la parole de Dieu. Nous sommes aussi des voyageurs. Après une chanson, nous allons demander à l'Église de mettre ces voyageurs dans la main de Dieu. Il y a un petit problème. Nous voulons commander à bord et faire que si il y a des annonces du Christ, pour avoir un bout, par le moins, on peut faire la tendance de la vie.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Anna, on va s'assurer de sa fille. Les voyageurs vont voyager dans de bonnes conditions. Et la dernière annonce, c'est pour remercier l'Église pour la contribution que nous sommes en train de faire. Et nous essayons un peu de contribuer pour les besoins chaque année. Jusqu'à présent, ce n'est pas la fin. Le montant que nous sommes décidés et la personne doit contribuer. S'il y a quelqu'un qui a amené ça, on peut passer ça au secrétaire. Il est là. Et nous allons terminer par là avec l'annonce. Et les autres sera annoncé par. Amen. Amen. On ne va pas encore tarder. Mais le temps que vous avez donné a été déjà consommé. Nous avons proposé autre chose. Nous sommes presque en retard. Tous ceux qui sont venus ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Va augmenter. Nous remercions pour ceux qui ont payé le tambour. Ce sont des choses qui sont tellement importantes. Et David dans la Bible. Et ok, il glorifiait aussi Dieu avec le tambour. Yes, avec le guitar. Et même chapelle. Yes. Vous êtes ici, sentez-vous libre. Dieu est partout. Quand vous êtes dans l'église, que vous êtes là, c'est-à-dire vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu partout, c'est tout. Donc, être c'est ça qui doit se sentir libre. Petit Joshua, c'est lui qui prie pour les autres. Chantez seulement les chansons comme ça, il y a des délivrances. Mais vous êtes seulement là et vous avez Dieu. Vous êtes seulement pour ce que vous êtes, que vous soyez amenés, j'ai tout dit. $5,000 seulement pour les transports. Et Dieu est ici. Amen. Amen. On ne va pas aller très loin. Nous essayons un peu de voir le temps que vous nous avez donné. C'est inutile d'aller avec les longues histoires. C'est le moment maintenant d'écouter. L'objectif de l'église, c'est tirer les gens. C'est les gens connaissent Dieu, connaissent Jésus-Christ. Dieu, c'est la parole. La Bible que la personne lit, elle doit d'abord, cette personne doit comprendre spirituellement. Ça, Dieu ne se voit pas. On va vous enseigner la parole de Dieu pendant que Dieu est invisible. Vous devez maintenant suivre les enseignements dans la Bible et vous allez comprendre qui est Dieu. C'est ça la mission que nous avons. Autre travail, nous sommes assis ici. Le problème, nous devons comprendre, entendre la parole de Dieu et travailler pour Dieu. Amen. 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 Nous avons passé à cette étape.
Vous allez un peu nous excuser, il y a eu un petit programme qui était resté concernant le comité. Nous allons passer vite. Papa, allez-y, vous conseillez. Papa, allez-y, vous conseillez. Maman, vous conseillez. Maman, vous conseillez. Oui, maman Mireille. Dans la maison de Dieu, c'est bien de travailler pour Dieu. Si vous avez une difficulté quelconque, si vous voulez un peu pleurer pour Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire que moi j'ai travaillé pour vous. Pourquoi vous allez un peu me laisser en train de souffrir? Et Dieu va jeter un coup d'œil, il va dire que non, celui-ci vit mon serviteur. Vous avez, je viens de le mettre à côté. Je viens de vous donner la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est des choses. Vous devez pouvoir, en vérité, et travailler pour vous. Il y a beaucoup de travaux dans la maison de Dieu. Amen. On a vite à parler. Nous avons passé à cette étape. Selon de la façon dont nous réunissons chaque mois. Nous avons vu qu'il y a ceux qui viennent de Dakota, de Indiana et les autres states. Alors nous avons décidé de trouver un endroit qui se trouve au milieu. Alors nous avons décidé que l'endroit choisi c'est alors, nous sommes décidés, chaque fin du mois, nous réunissons là-bas. Alors, pour que les gens sachent qu'il y a l'église, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous avons décidé de passer tous les états là où il y a les croyants. Pour qu'ils sachent que l'église est déjà implantée. Se réunir avec nous, il peut prendre le numéro de Papa Moulenda. Et Maman Wivine. À la fin du mois, alors nous allons voir comment nous allons se déplacer. Amen. 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 Ce sont les grandes annonces que j'avais. Amen. Le temps est jaloux, alors s'il y aura autre chose à dire prochainement. Alors, nous allons maintenant entrer à une bonne étape. Vous êtes venu. Vous êtes debout. Vous êtes calme. Même quand les gens c'est à ce moment ici. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Et pour écouter la parole de Dieu, comme d'habitude, il y a une chanson. Et même si il y a cette chanson-là, vous avez après la première, deuxième, et l'autre là, va aussi suivre. Vous allez connaître. Alléluia!
Alléluia. 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 Pour moi, ça sera comme un slogan. Chaque jour, je commencerai à le répéter. De Timothée 3:16. Nous allons lire le verset de 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Fouate, Makini. Parce que quand on fouate, Maleno est sa capita. Nous citons à Maleno. Suivez avec beaucoup d'attention. Avoir quelque chose, que vous puissiez tirer quelque chose. Babule, il dit à vous qu'il dit quoi, n'a qu'à voir. Kama we hafuata utaratibu, utakuwa nasikia maneno kama vile hadisi. Et si vous ne suivez pas avec attention, les paroles que vous allez écouter, vous allez les comprendre comme une simple histoire. Alors, il maneno hii, ndio iko nafanya maajabu, hii neno hii, ndio iko naponya watu. Amen. Et alors, c'est cette parole qui fait le miracle, c'est cette parole qui guérit, et cette parole qui fait beaucoup de choses. Ma yani yenye la pumzi ya Mwenyezi Mungu twende na linafaa kwa mafundisho ya kwanza yafaa kwa mafundisho toute écriture qui a été donnée toute écriture est inspirée de Dieu et ça vaut pour l'enseignement ili na kuonya watu juu ya makosa yao haleluya hii neno hii
Dieu t'a kuonya wewe kwa makosa yako. Usije ukasema kama nilikuvizia wewe. Haleluya. Cette parole est là pour t'avertir, ce n'est pas dire que je suis en train de vous viser vous en parlant, mais c'est la parole qui va vous avertir. Kwa sababu neno ni kama Jordan. Jordan ni mto ambao unakwenda mbele inarudi nyuma. Haleluya. Amen. Car cette parole est comme le fleuve Jourdain qui va à la, qui va d'abord à l'avant et en amont. Yani, il a kuambia wewe na mimi pia inaniambia. Car ça me dit quelque chose et à toi aussi ça te dit quelque chose. Yani inatukisha sisi wote. C'est-à-dire ça nous enseigne tout le monde. Mafundisho utuonya sisi wote. Ça nous enseigne d'avertir à cause de nos fautes. Twende. Na kwa kuwaongoza na kwa mafundisho katika haki. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu. Haleluya. Amen. Shaba ya hii mafundisho ni kutengeneza mtu awe amenyoroka, awe tudua. Maana yake kwenye kulikuwa kuna njama, upashi kunyoka. Haleluya. Amen. Le but de l'enseignement de la parole de Dieu est pour que vous soyez bien édifié si vous étiez un peu si vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous soyez redressé. Ça, c'est l'objectif de la parole. Si la parole de Dieu ne met pas en compte ceci, n'enseigne pas, et ça ne vous avertit pas. L'objectif de la parole est de nous faire quitter dans les méchancetés et de nous amener pour que nous soyons parfaits. Bas. On a chapeau, manaki disait ma camarade, ta quoi, hymne national et ami. Si la chico, ta quoi la kumbusha, si la nico, moi ça sera pour le pèlerin, il y a tout ça, comme un fundicho, Amen. Ce verset, ça sera pour moi comme l'hymne national. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Et ça va pour l'enseignement, pour avertir, pour que l'homme de Dieu soit parfait. On vient de vous communiquer qu'il nous reste seulement peu de temps. Voilà pourquoi nous ne serons pas longs aussi. On n'aura pas un long discours. Je vais demander à celui qui lit de préparer le livre Le Nombre. Il t'a quoi à chapitre 22? Chapitre 22. Verset 20. Je suis talatif, n'a pas de chier. À tout le monde, verset 20, et puis il va descendre en bas avec la lecture. 22, 20. Hicho cha neno kinanena Balaama anaitwa mlaani wa Israeli. L'entête, c'est Balaam qui est appelé dans les maudits d'Israël. Mfuate utaratibu. Balaama anaitwa wa kulaani wa Israeli. Suivez attentivement, c'est Balaam qui est appelé d'aller maudire les Israélites. Nani a il a dit si? Dans cette histoire, nous asikia asira ya watu wawili. Allô. Amen. Vous allez suivre la colère de deux personnes. Asira moja, la première colère, et ça va comme ni ujinga. Ça sera une colère d'imbécile. Ujinga, ignorance. Ignorance, ouais. Ça ça ujue, nous chassons beaucoup. Ça va être pas quoi condition. Kama ukakuwa uko mjinga, hautasikia. Mambo yataingia hapa inaenda kupita. Mwingine anasikia kupitia na atapata maajabu ndani yake. Haleluya. Amen. Précédemment, nous avions dit que toute écriture est inspirée, ça vaut pour l'enseignement. Et si vous êtes ignorant, vous n'allez pas comprendre. Vous allez écouter, mais vous n'allez pas comprendre. Ça va entrer et ça va sortir. Usitie moyo mgumu kwa kusema kama unajua. Allez pas endurcir votre cœur disant que vous connaissez. Apana, haujui. Vous ne connaissez pas. Kwa sababu, maandiko yatuonesha. Parce que les écritures vont nous démontrer. Utaona kama unamunyari shirika kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya upumbavu, ujinga.
Parce que nous allons voir celui qui s'était mis en colère par l'ignorance. Nous allons voir l'autre s'est mis en colère parce qu'il a vu quelqu'un voulait s'égarer. S'est mis en colère pour sauver l'autre et l'autre se met en colère parce qu'il n'a pas compris. Je passe la lecture en français. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque cet homme, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Lakini utafanya maneno ninayokuambia tu. Hilo ni agizo la Mwenyezi Mungu. Wale watu wakija, wewe fanya maagizo yangu peke yake. Ça c'était la parole de Dieu qui s'est adressée à Balaam en disant que faites ce que je vais te dire. Wende. Balaam akaondoka asubuhi, akatandika punda yake akakwenda pamoja na wakuu wa Moabu. Wende. Punda ya Balaam anamuonya kichwa. Hallelujah. Amen. Punda ni mnyama. Si nous voyons bien, l'âne c'est un animal. Watu wanasema kama sisi tunageuza maandiko. D'autres gens disent que l'Église de Jésus-Christ, ils veulent changer les écritures. Ça, les modifier. Tu vois des sissiotes. Tu sais pas dire ce qui tu chotes qui le. On ne peut pas. Punda, unyama, à la monnaie chez un homme. Là, commence à parler à l'homme, à un homme. Est-ce que vous avez punda, unyama, à anje kumuonya mwanadamu. Pouvez-vous comprendre cela? L'âne comme un animal. Tu peux commencer à avertir quelqu'un, un homme? Kwende. Kasirani ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Eh, kasirani ya kwanza inaanza. Kwa sababu gani? La première colère. Kwa sababu alikwenda. Ha. Malaika ya Bwana akajiweka njiani kumtesa. Basi alikuwa akitembea juu ya punda yake. Ndio. Na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Ndio. Punda akaona malaika ya Bwana akisimama njiani na upanga wake mkononi mwake. Hallelujah. Amen. Deuxième chose, punda tena anaona malaika ambayo labda wewe hauone, lakini punda yeye anaona malaika. Hallelujah. Amen. Deuxième chose qui surprend, l'ânesse voit l'ange. Ambayo patro wake hakuona, lakini punda aliona. L'âne a vu. L'ange, mais le son Seigneur n'a pas vu. En tout cas, il y a un chagrin. Punda, ambao ya la mpandia. C'est étonnant pour moi, l'âne. Punda, il y a anaona, malaika, na mpanga. L'ange avec l'épée. Lakini, patro, il y a la mpandia, punda, il y a haole. Mais le maître ne voit rien. Oui. Punda, kageuka kando, ili kuacha njia. Akakwenda shambani. Balaam akapiga punda. Ili kumrudisha njiani. Angalia sasa. Huyu punda ameona malaika. L'âne voit l'ange. Angalia. Lakini Balaam anaanza kumpiga. Et quand il a vu l'ange, l'animal ou bien l'ânesse a fait une réaction. Kwa namna yoyote ile, uwe makini, usiwe na moyo mgumu wa kupinga tuta, unajua, hujui. Amen. Amen. Et de toutes les façons, si la parole de Dieu vous arrive, vous advient, ne soyez pas brutal ou bien à ne pas contrecarrer ni refuser parce que tu ne connais pas. Quand vous utilisez ma biceps, en utilisant, en usant la force. À part, nous suivons vous. Force, il faut que Dieu vous guide. Alléluia. Dieu n'est pas musclé, mais la force règne toujours. Quand tu viens, tu m'as dit, tu sais ce qu'il y a. Balaam akamwambia punda. Balaam s'est adressé à l'âne. Don't touch. Kwa sababu umenidharau. No, mbele kwa jipana kidogo. Umeru. Imesema hivi. Punda wakati wanafungula kinywa wanasema nini? Bwana akafungua kinywa cha punda akamwambia Balaam. Bwana. Nimekufanyia nini
Hata umenipiga mara tatu. Mimi nimekufanyia wema peke yake. Nataka kukuokoa. Unanipiga tena mara tatu. Halo. Amen. Balaamu kamwambia punda. Kwa sababu umenizarau, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, maana ningekuua sasa. Haleluya! Sikia huyu mtu. Anasema, kwanza nilikuwa na upanga mkononi mwangu. Balaamu hadi si j'étais avoir l'épée dans ma main. Déjà haukutamu. J'allais t'exterminer. Angalia punda anataka kunani kusauve uzima wa maître. Voyez un peu, là nous voulons sauver la vie du maître. Lakini shaba ya maître anasema anataka kumaliza uzima wa maître. Mais le maître voulait seulement exterminer là. Mie inanishangaza. Kwa nini mtu anataka kukusaidia wewe anataka kumuua? Haleluya. Na kati ya hii dunia huwa inatokea mara kwa mara. Dans ce monde ça arrive. Ukitaka kusaidia mtu, si tu veux aider quelqu'un, mara mingi haelewe anataka kukudhuru wewe. Haleluya. Il ne comprend pas, il veut te contrecarrer ou bien te contredire. Twende. Punda kamwambia Balaamu, mimi si punda yako nawe umenipanda maisha yangu yote hata leo. Haleluya. Amen. Sasa punda anaanza kumkumbusha Bwana. Kumbuka hata kisibati unalipandiaka, nilikuwa nakupeleka. Maisha yangu yote ndio kazi nafanyaka, wewe unalipandiaka tu. Sasa unanipiga kwa nini na leo nataka kukusaidia nitoshe katika shida? Halo. Commence maintenant à faire un rappel à son maître de tous les jours. Kumbuka hata matendo yangu basi. Rappelez-vous même de mes œuvres. Mimi unanipandia kila siku. Tous les jours. Na kupeleka mahali unakwenda. Je vous amène partout. Na leo nataka kukunyosha katika kifo. Et aujourd'hui, je voulais te sauver de la mort pour que tu ne perds pas la vie. Si unanipiga tu, lakini unaniaidia tena kama ungeliweza kuniua. Haleluya. Amen. Ce n'est pas seulement que tu m'as frappé, mais tu me promets que tu allais aussi me tuer. Kuna kamwambia Balaamu. Mimi si punda yako. Nao umepanda maisha yako yote hata leo. Ilikuwa desturi yangu kutendea hivi mbele? Akasema, "Bwana." Alafu Bwana akafungua macho ya Balaamu. Angalia sasa mtu wa bahati. Kabla ya Mungu kufungua kinywa cha punda na punda kufanya mambo yake ya kumuonesha metre, sasa Mungu sasa anafungua sasa Balaamu mwenyewe. Après qu'on ait ouvert la bouche de l'ânesse et parlé, et maintenant c'est au second tour que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Akaona malaika ya Bwana akisimama njiani, ambaye alikuwa pale tangu awali. C'est-à-dire, l'ange de Dieu était là depuis longtemps. Hakumuona. Il n'a pas pu voir. Sasa kwa mkono wa nguvu Mungu mwenyewe kwa sababu yeye de Dieu hakufanya nguvu ya kumtambua na kumuona. Balaamu n'a pas pu faire l'effort de voir Dieu ou bien de le connaître. Sasa huyu Balaamu na ndugu nitamalizia. Huyu Balaamu alikuwa na bahati. Alors kwa sababu Mungu mwenyewe alimpenda. Alors Balaamu avait une chance parce que Dieu l'a aimé. Akafanya twende sasa kuonesha kitu Mungu alifanya. Qu'est-ce qu'il a fait? Akaona malaika. Bwana akafungua macho ya Balaamu. Akaona malaika mwana akisimama njiani. Ndio. Na upanga wake mkononi mwake. Ah. Akainamisha kichwa chake, akaanguka kifudifudi. Haleluya. Huyu Balaamu Mungu alimpenda sana. Balaamu était aimé par Dieu. Unaona kusema alikuwa repeshi kama yuko masomo. Si on peut dire, s'il s'agissait des programmes scolaires, il a été repêché. Njo Mungu akafungua sasa akili na kamonesha. Dieu lui a ouvert l'intelligence et lui a fait voir. Bahati mzuri, yeye mwenyewe akaona na akaamini akaanguka kifudifudi. Une bonne chance, il a vu et il a cru et il s'est prosterné. Sasa tunasema hivi, ndugu zetu, sisi zote. Neno la Mungu likikujia. On peut dire, d'une manière bref, il y a en conclusion, mes chers amis, mes chers frères. Usikuwe moyo mgumu, utafuta kuonyesha kama unajua. Si la parole de Dieu vous arrive, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut être humble. Que tu connais. Parce que vous pouvez mnyenyekevu. Parfois tu ne connais pas. Mara nyingi haujui.
Alors, il faut être humble, uwe mnyenyekevu, uchunguze. Kitu kitakusaidia kuchunguza hii mambo. La chose qui va vous aider à vérifier. Ni mafundisho. L'enseignement. Kama wanasema wanakusanyika hapa kila mwisho wa mwezi, ujitahidi ukisikia kwa mafundisho uende. Waanze kusheneze mpaka Apokalipsi. Na wewe utakuwa na ujuzi kama sisi. Sisi wote tulikuwa katika dia tunafanya pamoja mpaka leo tunafika tunaweza kufundisha kwa huduma za Mungu. Si on a dit que parfois nous réunissons une fois par mois, il y a l'enseignement. Faites cet effort d'aller aussi pour avoir l'enseignement parce que nous tous on a été dans les chemins. On a commencé à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse en suivant les enseignements. Et le Seigneur va à ta chunguza. Mimi, il m'a oublié, Nyama Ali Ujia, Diana, Akasema Kwangu. Amen. Amen. Pour la prédication d'aujourd'hui, hier, d'une manière vivante, un animal est venu kawaida pour parler à moi. Natumika saa moja kila siku. D'habitude, je travaille une heure par jour. Huyu mnyama amekuja na forme ya mtu. Cet animal est venu sous forme d'homme. Alikuwa amenifukuza kukali mahali fulani. Ma chasse du service. Il est venu et me demanda un service. Pouvez-vous m'aider seulement aujourd'hui? Mais c'est encore ce type qui m'a dit que je ne puisse plus venir. La voix m'est arrivée et puis je lui ai dit, je vais t'aider. Il y a 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, minuit. On a commencé à travailler à partir de 18h jusqu'à Venise et puis je lui ai dit, moi je dois voyager demain. Na wakati mimi si atarisha mafundisho nitakuwa mwalimu kesho. Alléluia. Oui, maman, je n'avais pas encore travaillé et préparé quelque chose et ça. Mais cet homme, cet animal qui ne connaît pas Dieu, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons demandé à nos invités, à nos visiteurs, de poser les questions. Vous aurez des réponses dans la Bible. Au nom de Christ, Amen. Amen. Alors, qu'il y a des gens qui sont là, vous êtes tous, vous êtes tous, Amen. Amen.
Tazama mfalme na bwana msakamana hiti na bawa tunafanya kazi kwa kinicho cha mfalme. Tukijafanya kazi ya kinicho kwa shukrani na kusema asante kimlio na tegemeo. Kwa neno nzuri ambaye bwana umefanya kazi ya kushusha kwetu. Asante mfalme na bwana wangu kwa neno hili ambaye bwana nimepata nafasi ndani ya mioyo yetu kimlio na tegemeo. Ndio kwa maana mfalme basi nimefanya kazi ya kwenda bwana kumuinua kwa yetu mikononi mwako ni kusina kuomba. Maana ilipopungukiwa mfalme ufanye kazi tena kupajaza kimbilio na tegemeo ili siku nyingine bwana afanye kazi ya kusimama na kulisha kundi lako mfalme na Mungu. Sifa na shangwe zafanya kazi ya kurudia peke yako. Na sisi ambao tumefanya kazi ya kupokea neno lako kimbilio na tegemeo tunasisina kuomba mfalme na bwana utuwezeshe Mungu ili neno hili lipate nafasi ndani yetu kimbilio na tegemeo liweze bwana kutubadilisha kwenye udhaifu na ubaya wetu ili Mungu tuweze kufananishwa na walio wako. Sifa na shangwe tutafanya kazi ya kurejesha kwako kimbilio na tegemeo. Baba si kwa kunena mengi utakaposikia ni ama chacha kulitukuza kumina kwa takatifu na kusema asante kwa ajili ya neno hili. Yaweze kuona wewe kama maombi bora ikipitia katika siri ya maneno ya Yesu Kristo kwa kwako kuna nguvu ufalme uwezo na utukufu hata milele tukiomba hivi. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko tunasonga na kipindi cha tatu. Haleluya. Amen. Kumbe baada mbele atiapita kumstari wa tatu. Okay, nous avançons toujours avec la dernière étape, la troisième étape. Tuko na kajulisho kidogo kwa waaminifu wetu. Nous avons une annonce concernant nos croyants. Tutakuwa na mkusanyiko wa matoleo kwa mama Mirei baada ya programa yetu. Après ce programme, nous aurons un autre programme de sacrifices, des offrandes. Alléluia. Amen. Kumbe bila kawia tunapita kumstari wa mwisho wa kipindi cha mwisho nao ni kutukuza Mungu nguvu sana na wimbo moja wa moto moto sana. Nous passons maintenant à la dernière étape et cette dernière étape nous allons glorifier Dieu avec une autre chanson.
l'ange dans les cieux, chantons l'unité. Sortir avec tout un chacun qui est venu ici, de sorte qu'il arrive avec paix, votre nom sera toujours élevé et vous serez toujours glorifié, notre Tout-Puissant. Ce n'est pas en beaucoup parler que vous allez m'entendre, mon Tout-Puissant, mais en consacrant cet holocauste pour la fin de cette assemblée, je le consacre au nom du Christ, car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance des siècles et des siècles. Je prie ainsi, notre Père. Kwa kumaliza, ndugu wapenzi katika Kristo, tunawashukuru sana. Kwanza tunaanzia Wakristo wote pamoja na waamini wote wa kanisa Yesu Kristo ambao waliojitolea kwa kuweza kufanya mkutano huu wa mwisho wa mwezi na kuifanikisha katika hali hii. Pili, tunawashukuru pia waalikwa wetu wote ambao walioweza kuja na kia kusikia neno la Mungu ambayo iliweza kutolewa kwa siku hiyo. Na kufatana tuendelea mita kwa nakazi. Pia tunamshukuru pia baba cameraman ambaye aliye pia jitolea, yani kijana Yusufu aliyejitolea kwa kuweza kuja kushika picha katika mkusanyiko huu na hata kuirusha hewani. Mungu ambariki sana. Na tunawashukuru pia hawa wote ambao mnaotazama picha hii na kwa kuweza kuifurahikia. Basi tungewaomba msisie tu kwa kufurahikia, bali pia tena kuja kujiunga na kuona na kusikia neno la Mungu ili mpate kupata faida mingi ndani yake. Basi tunashukuru sana na kuomba Mungu awabariki wote katika jina la Kristo. Amen.